vas où? À Tokyo. Bon, on rigole, mais on n'est pas content parce que c'est nos... Ça y est, c'est la fin. Bon, on va voir nos chats, donc ça, on est content. On a une valise de 29 kilos, on est content. Bon, direction Tokyo, c'est parti. Je fais comme les Japonais, je fais des vidéos et des photos de train. On est le 10C, ouais. On est tout derrière. Ça y est, on a survécu à l'épreuve de... On voit plus ma tête. L'épreuve de on voit plus ma tête, je l'ai décapité. La révolution de Tokyo Station. Et on est arrivé, on a déposé nos valises à l'hôtel. Et donc là, on va à Akihabara pour essayer de trouver une valise en plus pour madame parce qu'elle a beaucoup de choses à acheter. Merci. Et donc voilà, et qu'on dépasse complètement le poids autorisé, donc il nous faut absolument une quatrième valise pour équilibrer tout ça. Donc bah voilà, donc on va se balader à Akiba, je sais pas si on va trop filmer, mais bon, au cas où, voilà. Vous avez des petites vidéos. On est quelques jours sur Tokyo là, donc... 4 jours. Et on a découvert, enfin on a découvert, on savait, tour. Mais on nous a confirmé qu'il y avait le Hachiman Matsuri. Ouais. Qui est un festival qui a lieu que tous les... Enfin, qui a lieu tous les ans, mais non. Tous les 3 ans, oui. Si, tous les 3 ans, il y a un gros event sur ce festival, et c'est cette année. Donc c'est parfait, ça fait 6 ans que ça n'a pas eu lieu, c'est un festival d'eau. Bonjour. Et donc voilà, donc on va certainement faire ça là dans les prochains jours, ça va être assez sympa. D'autres choses? Non. Tu vas aussi faire Ozuwashi, normalement. Bah, on verra, oui. Parce on va voir. Bon. Ça va être une... On voit un ami déjà ce soir. Ce soir, on voit un pote. Et voilà. Et le reste, ça va être chill à Tokyo, du shopping. Voilà, Tokyo quoi. S'adaptera à la météo. On va s'adapter au typhon et à la météo, exactement. C'est parti. Bonjour. C'est le facteur. Hop, petite vue d'ensemble de la chambre. Elle est très bien cette petite chambre, on est assez content. Plein de miroirs partout. Hop, ah oui. Regardez, les valises ont fait des bébés. Il y a une valise en plus qu'on a trouvée. Les bébés, ils font quand même ces valises. C'est des gros bébés, oui. Mais bon, c'est bien. On a chopé une valise à Akiba. Donc comme ça, on a 4 valises. Elles sont déjà pas mal... Bon, celle-là, ça va. On a encore un petit peu de place, donc je peux acheter encore un peu de trucs. Et Viola aussi. On a un grand lit avec la fenêtre bon, que j'ai fermée parce qu'il y a plein de soleil mais qui donne sur la petite rue. Petit coin tranquille. Hop, ne regardez pas les chaussettes dégueulasses, c'est pas beau. Ouh. Voilà. Tiens, ouvre la petite fenêtre. Regardez, c'est magique. Ah, t'es occupé. Tu veux pas ouvrir? Si, si, je vais ouvrir dans 2 secondes. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Waouh! Et donc là, on a la salle de bain. Quand on fait caca, faut fermer par contre. C'est mieux. Voilà, avec la petite baignoire, c'est parfait. Bon, et sur ce, on va à Shinjuku bouffer avec un pote. Allez, c'est parti. Ah oui, ça fait une
Ouais, c'est très charmé, vraiment. Je vous filme. Ah ben oui, c'est les mecs bourrés, ça. En fin de soirée à Shinjuku. Attends, parce que tu fais la maline. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on est là? Oui, oui, oui. Ah, on va chercher ta petite plaque d'égout. C'est quoi? C'est une vraie meuf ou une poupée? Ouais, c'est une vraie meuf, ouais. C'est une meuf robot, mais vraie. Bonjour, on est à Tokyo. On est avec la casseuse de machines dans les 7-Eleven. Qui aime de toi? C'est pas moi, j'ai rien fait de toi. Ah, c'est moi, c'est toi qui me dis ouais, vas-y, casse ta billette du billet. Bah oui. Ça va bien se passer. On a cassé la machine. On a payé avec Andy Mule dans un combini, le pauvre, il a tout cassé sa machine. Bon, on est toujours à Tokyo. On est samedi. On va au Daiso. Ensuite, on va chez Ozuwashi, magasin de papier pour madame. Donc voilà, et puis on sait pas, on verra ce qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà, petite vidéo à la cool. Mais il n'a plus en 10 000 au Kobini. C'est la leçon d'aujourd'hui, ne payez pas avec des billets de 10 000 au Kobini, ça ne marche pas bien. Allez, let's go. Ça y est, Viola est heureuse. Regardez ça, un petit magasin de washi japonais sur tous les étages. Boum. Ah, il n'y a que 4 étages, pardon. Après, c'est des expos et tout ça. Bon, souhaitez-moi bonne chance. Oh,
Mon médecin va pas être fan de cette quantité de sel là. Tranquille, on va être bien normalement, et voilà. Et on regarde ce qu'on fait pour les deux prochains jours, enfin pour aujourd'hui et demain. Demain, c'est le dernier jour à Tokyo, donc on a plusieurs idées. On va voir en fonction de la météo qu'on fait pour le coup. Allez, c'est parti. Avant-dernière journée à Tokyo. Contente, il pleut plus. Oui, pour l'instant. C'est oui pour l'instant. On va voir comment ça tient, ouais, c'est clair. On est un peu trempé là. Ouf. On se sacrifie pour vous. Thank you.
C'est comment ce Matsuri? Ah, c'est génial. Un peu humide. Ouais, là, ça... Putain. Ça y est, je me dégarnis, là. La vieillesse, ça arrive. Ça flotte, là, de ouf, mais c'est vraiment super. On a passé une très belle journée, en tout cas. On voulait voir le... Comment ça s'appelle? Un art martial. Mais bon, je pense qu'il va y avoir, mais quand la pluie sera arrêtée. C'est dans une demi-heure, ça va. Ouais, on a une demi-heure pour que la pluie s'arrête, ça devrait aller. Le typhon n'est pas encore sur Tokyo. Il devrait finalement arriver que mardi, mercredi. Donc on devrait pouvoir rentrer, donc ça c'est bien. Mais ça commence déjà à bien flotter là. Et demain ça va être pareil probablement. Bah, c'est la pluie, quoi. La pluie, ça va. Il n'y a pas encore de gros vent comme on a eu ce matin. Donc, on verra. Oui, ça va. Bon, on verra de toute façon. On n'est jamais maître du temps, on le subit. Bon, ben allez, on continue la petite journée. On a bien mangé, on a bien bu, c'était cool en tout cas.